Pour le trajet en voiture de Kelmis à Blankenberge, papa met 2 h 49. Question: quelle est la vitesse moyenne si la distance entre Kelmis et Blankenberge est de 242 km? Nous prenons la Terre comme corps de référence. Les données sont celles-ci. Le temps vaut 2 h 49, c'est-à-dire 2 plus 49 soixantièmes heure. La distance parcourue est de 242 km. Nous cherchons la vitesse moyenne V indice M que nous pouvons exprimer en kilomètres par heure. Et pour la trouver, nous utilisons bien sûr la formule vitesse moyenne égale distance parcourue divisée par le temps nécessaire, et c'est ainsi que nous trouvons comme vitesse moyenne 242, la distance donnée, divisée par 2 plus 49 soixantièmes d'heure, ce temps-là. Pour effectuer ce calcul, nous pouvons nous servir de la calculette. Donc d'abord, fraction 242, curseur vers le bas, 2 plus fraction 49, curseur vers le bas, 60e, égale cette fraction-là, qui vaut en valeur décimale à peu près 85,92. Nous retenons cette valeur ici. Et par conséquent, la vitesse moyenne que nous cherchons est égale à peu près à 85,92 km par heure.